c'est donc ça les autoroutes allemandes sans limitation. Le putain de bouchon de 20 km. Ouais, bah ouais, forcément, ouais. Oh, voilà, c'est bon, hein. D'accord, il est réglé visuellement. C'est une immense tartine de bis. Hein? C'était pas ça. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce petit bienvenue dans ce petit Acapulco. Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit sur je ferai jamais de full auto sur cette chaîne, c'est pas prudent. Oui bon bah y a que les abrutis qui changent pas d'avis hein. VZ61 full auto. Oui. Il va sans dire que c'est de la A2, hein. Donc théoriquement vous n'êtes même pas censé le voir. Mais je me suis dit, allez, aujourd'hui je vais faire une petite entorse à mon régime. Voilà, j'ai un régime spécifique sans full auto. Donc comme vous pouvez le voir, coup par coup, sûreté et full. C'est parti mon kiki, donc je me suis accroché une cible colossale. Mais bon, vous allez vite voir que le VZ61 full, c'est pas ce qu'on pourrait appeler calme. Voilà, hein. Alors, c'est parti. Yeah. Soyons prêts. Cette crosse est méga courte et méga pas agréable. Alors, attendez voir. Je vais me mettre en semi d'abord. Faire deux coups en semi. Putain, que cette crosse est pas agréable. Aïe. Aïe! Alors, je sais pas si vous remarquez, mais... Bon, alors déjà, je touche rien, mais aïe. Le VZ61 est extrait par le dessus, et donc, balance les douilles littéralement à la verticale. Ce qui fait que... Alors, attendez voir, j'ai un néon au-dessus de la gueule. Il faudrait peut-être que je fasse gaffe à ça, en fait. Je suis en train de me dire... et si je me mettais genre là, plutôt? Hop là, voilà, pardonnez-moi, petit changement de cadre, mais si je me mets sous le lampion, à mon avis, il va me dégringoler sur la tronche. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, chargement par deux petites protubérances, c'est même plus des oreilles à ce niveau-là. C'est pas ce qu'on pourrait appeler plus pratique, mais la mécanique du VZ61, le Scorpion donc, est quand même... Un peu dingue. On va admettre, c'est plutôt bien pensé, quoi. Alors, allons-y. Donc, on passe en full. Je vais en prendre plein la tronche. Putain, que cette crosse est courte. It's raining douille. Alléluia, it's raining douille. J'ai pas fini? Ah pardon, j'ai pas fini. Excusez-moi, petit enraînement. Ah non, merde, ah oui. Excusez-moi. Je disais donc, on n'a pas fini, pardon. Ah, attendez, ne me mets pas sous le lampion. C'est extrêmement drôle. C'est vraiment extrêmement drôle, cette merde. Petit pistolet mitrailleur, c'est vraiment très très drôle. Bon, c'est moi ou j'ai rien touché là en fait? Vous me voyez venir, hein? Je ne vous montrerai jamais de full auto sur cette chaîne. C'est pas prudent. Ceci est un VZ61 full auto à blanc. Et c'est quand même de la A2. Pourquoi? Parce que c'est un vrai, en fait. Mais à blanc.
mais quand même un vrai. Les règles, les normes en Europe pour les armes à blanc sont extrêmement draconiennes, je vous garantis, avec des épreuves destructrices et tout le bordel. Donc ça, c'est pas vendable. Pas à vous, en tout cas. Désolé de vous le dire. Nous, on l'a parce que c'est drôle. Et sincèrement, c'est tellement drôle. Mais c'est tellement, tellement, tellement drôle. Bon, allez, on va continuer. Hein. Donc, je tire de la 9 mm Titan. Aujourd'hui, qui est une des 9 à blanc les plus pêchues, qui fait beaucoup de bruit. Et encore une fois, dans ce flingue, ça saute directement au plafond. Alors, ça peut monter vraiment, vraiment très, très haut. J'avais essayé, d'ailleurs je vous mettrai les rushs après, puisque j'avais tourné des rushs en fait, mais qui ne me satisfaisaient pas, ça faisait pas un bel épisode. C'était tourné à la pisse, enfin bon, là ça m'allait pas. J'avais tourné dans l'entrepôt où je suis, et le plafond, allez... Franchement, je saurais pas vous dire à combien le plafond, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres, j'en sais rien. Et les douilles tapent le plafond. C'est impressionnant à quel point ça éjecte haut ce truc. Et effectivement, ça vous retombe littéralement sur la poire. J'ai encore mal. Allez, puisque c'est un pistolet mitrailleur, on va le mettre en fonction pistolet. Comme je le disais. Donc je ne vous fais pas d'historique du VZ-61, genre frais. J'en ai du VZ-61, du vrai, qui tire vraiment... genre frais. Voilà, vous inquiétez pas. Allons-y. Sa mère la pute, le néon. Et pourtant, j'avais fait gaffe. Oh merde, le néon. Ah, chier. Bon, bah faudra que je rachète un néon. Ah putain, j'en ai partout. Le plus chiant, ça va être à balayer. Et merde, putain, je me suis pas assez avancé. Ah, attendez voir. Pause pub, je passe le balai. Oh merde. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver. Les aléas du direct, en direct, monsieur dame. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Eh mais je vous jure, heureusement, Dieu merci, que j'ai des jours de tournage à moi, hein, parce que... Ah bordel. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous sans cœur. Bon bref, voilà, c'est extrêmement drôle. C'est vraiment extrêmement drôle, cette petite merde. Et je dois avouer que si c'était pas de la A2, ben je la ramènerais bien à la maison. Parce que ça, c'est vraiment très très drôle. Bon allez, amusez-vous bien sur ce. Je ne sais plus du tout si je suis éclairé du coup. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao.